Quoi, cette tranche de cétacés ? Vous avez repris de l'air ou quoi ? Non. Bon, j'ai du courrier ? Oui, vous avez reçu ça. Joyeux anniversaire, Karine. Ça vous fait combien ? T'en fais vachement plus. Ah oui. Monsieur Lemaître, vous êtes né en 72 à Mulhouse. Après des études de marketing, vous avez travaillé chez Roux, consultant pendant 4 ans, puis chez Intellimark, c'est ça ? Exactement. Il y a un trou dans votre CV, là, de septembre 90 à septembre 91. Vous étiez à l'étranger ? Pas vraiment, non. En fait, j'étais en détention à ce moment-là. Vous voulez dire en prison ? Vous avez fait du mal à quelqu'un ? Ben, je préférais pas en parler. Oui, monsieur, je comprends. Vous avez certainement dû faire de grosses bêtises, non ? Pour vous enfermer derrière les barreaux, hein ? Vous avez été un vilain garçon. Si on pouvait revenir à mon expérience dans le travail... C'est moi qui mène l'entretien ici, ok ? Votre cellule, elle était petite. Vous aviez un uniforme, une salle de bain. Non, c'était des douches collectives. Ah oui, je vois, oui. Des douches ouvertes où tous les hommes se rassemblent et on se frotte avec de très gros, très durs savons. Le dos, les tatouages. Oui, enfin, chacun se lavait et puis tout le monde retournait dans sa cellule. Ah oui. Et vous vous retrouviez dans cette cellule, alangui sur ce lit trop dur, très, très dur. Et vous étiez encore humide de la douche. Et vous restiez là, à attendre. Oui, et puis on m'a libéré, et puis voilà. Oh, redites-le. On m'a libéré. Encore. On m'a libéré. Plus lentement. Excusez-moi, je dois récupérer le dossier de la fenêtre. Tout va bien, vous êtes toute rouge. On vous a coupé la clim. Alors, monsieur Lemaître. Ah, salut Nathalie. Bonjour Michel. Ah, dis donc, félicitations pour le petit Raymond. Ah oui. Ah, quelle belle famille, je suis admiratif. Hein. Oui, mais enfin là j'arrête, hein. J'en veux plus. Ah oui, j'imagine que ça doit être dur de concilier vie de famille et carrière professionnelle. Hein, ça. Bah, ce qui est dur surtout, c'est de récupérer son corps. Hein. Ouais. Les gens ont tendance à oublier ça parfois, mais il s'agit quand même d'évacuer un enfant dans son entier. Hein. C'est comme si tu avais une grosse pastèque dans la bouche et que tu devais la faire sortir. Tu vois. Oui, pendant les poussées, la sage-femme me disait « Faites comme si vous aviez envie de faire vos besoins, comme si vous étiez qu'un grand trou, un seul grand trou. » Ouais, ça doit être pénible. Oui, bah, surtout qu'après, elle a rentré son bras comme ça, là, complètement presque, enfin carrément jusqu'au coude, et qu'elle l'a retiré comme ça d'un coup sec, et alors là, le placenta. Ouais, il faut que je te laisse, il faut que je passe à la DRH. Ah bah attends, je vais par là moi aussi. Je t'ai pas raconté comment on m'a recousu. Tu verrais la taille des aiguilles. C'est un truc de fou. Moi j'avais tout qui baillait jusqu'au genou, tu comprends? Oh là là, ma pauvre, en quel état t'es? Bah, on verra ta tête le jour de tes 40 ans. Hein. Non mais t'es au courant que t'as la carte de France dessinée sur le visage? Merde. 300 euros le diagnostic, il pourrait au moins faire le ménage après cet escroc. Non mais attends, mais tu veux te faire tirer tout ça? C'est juste pour voir. Soit il a trouvé que j'avais un excellent capital, alors. Faites-moi juste à retirer tout ça, j'ai un comex dans 10 minutes. Et c'est marrant, parce que quand on relie les points entre eux, ça fait comme une bite. N'y pense même pas. Je sais. Oh là 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 là, ça part pas, hein. Attends, je sais le côté bleu. Aïe, 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 aïe. Non, ça part pas non plus. Ah, j'ai une idée. Fais-moi confiance. Ferme les yeux. Et voilà.
Allô ? Oui, monsieur Patelier, j'allais vous appeler justement. Parce qu'en fait, on a eu un souci dans la commande, parce qu'il y a eu une erreur de nom. Non, ma responsable n'est pas là. Mais nous sommes désolés et sûrement que ma responsable vous proposera... Mais c'est pas de ma faute. C'est chez le fournisseur qu'il y a eu une... Il ne faut pas me crier dessus comme ça. Non, c'est parce... Oui, j'ai le classeur. Non. C'était en juin. Non, mais je le sais, mais c'est parce que c'est pas de notre faute. Allô? Allô? Puis raccroche le nez. Comme je vous l'annonçais en début de réunion, nos objectifs devraient être totalement atteints d'ici la fin du prochain trimestre. Des questions ? Pourquoi portez-vous un casque ? D'autres questions ? Bon, on va assez faire. Contrôle, Alt, et tu cliques droit, tu ouvres Excel. Et tu te superposes. Tu fais moins de bruit quand tu manges, là, j'ai l'impression que tu bouffes du gravier, c'est quoi ? C'est des céréales. C'est pas top, mais j'ai faim. Moi aussi, j'ai rien avalé. Tu m'en donnes ? Non, j'en ai plus. Elle était volée sur le bureau d'Hélène. Hélène, tu m'offres un gâteau ? Mais j'ai pas de gâteau. Bah, t'as une boîte pleine, là, sur ta table. Mais non, mais ça, c'est des biscuits pour hamster. C'est les derniers de Skippy, je les garde. Oh, qui c'est qui a ouvert le paquet ? Non, c'est trop long, là, on dirait une nuque de footballeur. Faut que je coupe comment, comme ça, là ? Non, plus court encore. La taille. Voilà. Ah ouais, t'as raison, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais. Ah ouais, là, c'est classe. Ouais. Putain, je suis jalouse, hein. Trop beau. Vous voulez vérifier, j'ai changé mes coussinets. Aïe ! Ça fait mal ? C'est que c'est du gras. Tu peux remettre ton pull. Ah oui, avant que j'oublie, le rendez-vous avec les prestataires à 15h cet après-midi a été reporté à demain matin, 11h. Préviens-les là-haut. Oh, zut, j'ai rien pour noter. Essaye juste de t'en souvenir. 15h cet après-midi, 11h demain matin, ça devrait aller. J'ai la mémoire tellement buée avec les cours de danse, les entraînements de foot, mon mari, les courses... Ah, pense bête. T'as bien quelque chose avec le 11 ? Je sais pas, moi, un anniversaire, un mort... 11... Quand j'avais 11 ans, on a déménagé avec mes parents à Obermorschwiller, à côté de Colmar. Ah ben ça, c'est super. Ah. Est-ce que tu vas être capable de t'en souvenir ? Quoi ? Eh ben, Obermorsch, je sais pas quoi, là. C'est ça que je dois retenir ? Non, le rendez-vous demain matin à 11h. 11, oui, oui, oui. Donc je dois me rappeler de 11 pour me souvenir d'Obermorschwiller. Oh, ça marche ! Non, tu as oublié. T'as un mouchoir ? Non. Bon, tu prends un mouchoir. Tu fais un nœud, tu vois le nœud, tu te dis « Ah oui, il faut que je pense que le rendez-vous de cet après-midi à 15h a été reporté à demain matin, 11h. » Oui, mais enfin, je n'ai pas de mouchoir, Karine. Non, 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 mais le mieux, c'est quand même de noter dans un carnet. Oui, mais tu l'as pas, là. Ah oui, c'est vrai. Non, bouge pas. T'as comme ça. Bouge-toi. Ah, ça fait mal. Oui, ben non, parce que quand tu vas arriver là-haut, que tout le monde va demander comment tu t'es fait cette bosse, qu'est-ce que tu leur répondras ? Vous m'avez cogné. Mais non, mais pas ça, mais ils s'en foutent de ça. De quoi est-ce que tu devais te souvenir, hein ? Je sais plus. Oh, je l'ai. Obermorschwiller. Oh, oh. Thank you.
Bon anniv to you. Un, deux, trois, to you. Un cadeau. Bon, bah, je vais devoir l'ouvrir alors. Oh oh, qu'est-ce que c'est? Un vibromasseur. On s'est dit, c'est sympa, quoi. Vous avez trouvé ça sympa? C'est vrai, c'est sympa, un vibromasseur. Je peux mettre comme ça, sur mon canapé, papoter avec lui. Ouais. Comment était ta journée aujourd'hui, mon chéri? Oh, tiens, si on allait dîner ce soir, tous les deux. Avec ça, c'est sûr, je vais pouvoir construire une relation stable. Et qui sait, peut-être qu'un jour il deviendra le père de mes enfants. Parce que j'ai eu 40 ans aujourd'hui et qu'à partir de maintenant, mes ovules sont en train de pourrir. C'est ton idée, j'imagine. Mais non. Qui alors? Nathalie? Hélène? Non, ça m'étonnerait. J'espère seulement que vous l'avez pas payé avec l'argent de la cagnotte. C'était pour rire. Hein. Je demande si vous l'avez payé avec l'argent de la cagnotte, oui ou non? Oui, mais c'est fait pour ça, la cagnotte, non? Donc j'y ai participé. Et ça coûte combien, ce genre de truc? 70? 100 euros? Même pas. On l'a acheté sur eBay. D'occasion en plus. Je veux que l'argent soit reversé immédiatement dans la cagnotte à cadeaux. Je te conseille avec les petits pouces amovibles, c'est canon. Bon anniversaire. Thank you.